La visière, pas éclate ou bidzil ou l'assurance auto. Choisir essentiel, pas MUA. MUA, ça rassure. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'Info Soirée. D'abord les titres. Un pèlerinage du Mahashivaratri dans le recueillement et le deuil, encore une fois cette année à Maurice, avec cette fois 6 victimes. Tous étaient jeunes, tous avaient des projets plein la tête. Une d'entre elles, Keshav Doumon, âgée seulement de 20 ans. Malgré le décès de son père, en dernière année, il venait de réussir son HSC et rêvait de devenir jockey, projetant même d'aller étudier en Australie. Témoignage recueilli au cours de ce journal. Des adieux émouvants rendus aux victimes de l'incendie tragique à Arsenal, suscitant une profonde douleur et une incompréhension. Parmi ceux présents, le Premier ministre Pravin Jagnath, le chef du Parti travailliste Navin Ramgoolam, le président de la République Prithviraj Roopen, divers ministres et députés de la région. Conclusion des autopsies. Des 6 pèlerins, 4 ont succombé à de graves brûlures et 2 ont été mortellement électrocutés. Pour rappel, 17 autres ont été blessés, dont un adolescent de 14 ans, toujours dans un état critique. Et Yogidas Sorminaden explique à la police comment il a remis le salaire de la constituency clerk de Simla Kisen à son défunt époux Subramanian Kisnen. L'affaire a été débattue aujourd'hui devant la magistrate Anusha Rawa lors du procès intenté à l'ancien ministre du Commerce. 5 témoins, pour la plupart des enquêteurs, ont été entendus en cour ce matin. Et puis une alerte de forte pluie a été émise pour Maurice à 16h30 ce lundi. Cette alerte est valable jusqu'à demain, mardi à 6h, avec l'influence de nuages actifs venant du nord-est. Les prévisions pour les prochaines 24 heures prévoient un ciel nuageux avec des averses accompagnées d'orages. Des développements nuageux sont attendus à l'ouest, au sud-ouest et sur le plateau central avec des averses localisées demain. Le pèlerinage du Mahashivaratri se poursuit avec dévotion, mais aussi avec émotion et une pensée très spéciale pour les victimes des événements tragiques d'hier à Arsenal. Une d'entre elles, Keshav Doumon, âgée de 20 ans, venait de terminer ses examens du HSC. Il étudiait au MGI Nouvelle-France et était connu comme un bon élève. Dans sa dernière année d'études, il a dû surmonter l'épreuve du décès de son père. Ses proches nous racontent que Keshav avait une passion pour les chevaux et rêvait de devenir jockey. Il avait des projets plein la tête. Keshav voulait partir étudier en Australie, mais le destin en a décidé autrement. Mima Omir a recueilli les témoignages de son oncle Mahen et de sa tante Sarika. Keshav Senghor sont bien actifs de côté sportif, ils adorent football, ils adorent de pétain et ils sont contents de monter cheval. Sur l'ambition, ils sont contents de faire jockey. Ils sont contents un professionnel rider. Ils sont contents de lire, mais ils sont imposés que plus tard, il y a l'étudiant en Australie. C'est la première fois qu'il y a mort pour mort, c'est pour Tchakawal à Triol. Au lever, comme si on était vraiment garçon, donc on a un chômage, on va bien s'arrêter, on va dire un garçon 20 ans, ils sont partis. Il y a un peu de temps.
Bon, pas manger, je dis, moi, famille fait manger pour moi, ma mère fait manger pour moi. Je suis bien content. Je suis bien content aussi. Je suis tout fait, tout travail tout fait. Je suis bêté là, Maurice reste sous le choc. L'émotion était vive à trioler où proches, amis et personnalités politiques ont rendu un dernier hommage aux 6 victimes qui ont péri dans l'incendie de leur Kawar à Arsenal hier. Les funérailles de Parumal Subrayen, 19 ans, Kovalech Sidoyal, 20 ans, Abhay Kumar Boujidan, 21 ans, Keshav Duman, 20 ans, Nilesh Mutia, 19 ans, et Lavesh Kumar Jagdar, 18 ans, ont eu lieu cet après-midi. Parmi ceux qui ont fait le déplacement, le Premier ministre Pravin Jagnauth, le leader du Parti travailliste Navin Ramgoolam, le président de la République Prithviraj Roopan, ainsi que d'autres ministres et députés de la circonscription. Entre douleur et incompréhension, ce drame a bouleversé le pèlerinage vers le Ganga Talao, Ashtana Kchedi Rabo. Le Premier ministre s'est d'abord rendu à Morcellement-Saint-André où les proches de Lavesh Kumar Jagdar, âgé de 18 ans seulement, pleurent sa disparition. Pravin Jagnauth, qui a aussi fait le déplacement à Trobich et Triolet, qui compte un grand nombre de victimes, a échangé quelques mots avec les familles endeuillées, parmi l'oncle de Nilesh Mutia, 19 ans, qui faisait partie des victimes. Oui, je vais travailler en sécurité. On se souvenait de la décision de l'Ichidon, la prière. Elle nous fait ce qu'elle dit, elle fait ce qu'on passe. Et tous les jours, j'espère aussi bonheur, j'espérons tôt la case le matin, j'espérons car moi, j'espère me connaître les différences car moi là. Et quand il y a une sortie, on a une nouvelle qui est une prend du fait de car moi, il y a une réelle nouvelle qui ressemble là-dedans. Dans l'hôpital, il y en a un qui est décédé. Pour le leader du Parti travailliste, c'est une tragédie. L'heure est au recueillement et aux prières d'Inavin Ramgoolam. Là, ce que nous avons fait, c'est prier pour le traitement. C'est une tragédie qui n'est pas supposée arriver. Mais il est arrivé, nous n'avons pas grave, fin dernier. Là, nous faisons penser à la famille de la victime. Ça, nous priorité. Par rapport à règlement, vous pensez bizarrement dans le droit. Moi, je préfère pas faire commenter le semaine d'affaires là parce qu'aujourd'hui, nous préférons la prier pour ma famille et ma victime. Après, la cause. La question de règlement autour des Kawar est pourtant sur toutes les lèvres. Le ministre et élu de la région, Sudesh Kalichan, lance un appel aux parents. Une tristesse pour tous les habitants de Triolet, Mont-Saint-André et Trobich et pour la circonscription en général. Et je me trouve, ça fait avec Sénat pour marcher vers Téla, soudainement, fin diminuer. Nous tous, nous, avec la famille, et que ben pèlerin qui peut converger vers Grand Bassin avec ben Grand Kawal, je peux dire, je fais un appel à ben parents là. Convaincre les ben enfants, il n'est pas trop tard. Laisse ben Grand Kawal dans ben Chivala, almorcer, retourne la case. Le président de la République, Prithviraj Roopan, s'est aussi recueilli auprès des dépouilles de ces jeunes pèlerins. Il faut que ce drame ne se reproduise pas, affirme le chef de l'État. Nous tous, nous devons redoubler nos efforts. Chacun de sa façon, pour qu'il y ait un drame comme ça paraît arriver. C'est une responsabilité collective qui nous tuisène. Pour nous retenir, de quelle façon qui nous évite autant que possible qu'il y ait une situation que vous avez arrivée. La disparition de ces jeunes alors qu'ils se dirigeaient vers le Ganga Talao a suscité une profonde émotion dans leur village et a également plongé tout le pays dans le choc et l'incompréhension. C'est d'autant plus triste, d'autant qu'ils étaient tous très jeunes. Le décès de 4 des pèlerins Arsenal a été attribué à de graves brûlures, tandis que les 2 autres ont été mortellement électrocutés.
Les autopsies pratiquées par les médecins légistes Sudesh Kumar Gangadin, Daniel Monvoisin et Prem Chaman ont confirmé ces tragiques circonstances. Deux blessés toujours hospitalisés, dont un adolescent de 16 ans qui se trouve dans un état grave. Il a été placé sous respiration artificielle. Pour rappel, le Kawar qu'il transportait avait pris feu après avoir heurté un câble à moyenne tension du CEB. Le groupe Trikal Sena, composé d'une quarantaine de pèlerins, se rendait à Grand Bassin dans le cadre du pèlerinage de Mahashivaratri. Et puis la présence des générateurs à l'intérieur de ces structures sans aération est une réelle menace. C'est l'avis du docteur Ismaël Essagji, Acting Transmission Manager du CEB. Il prévient également contre les installations électriques par des amateurs pouvant ainsi causer un court-circuit. Ses explications au micro de Shehzad Jadou. C'est un générateur, aussitôt qu'il produit un courant, il peut chauffer. Donc, il y a un heating effect of current. Et quand il chauffe, c'est une panne aérée, mais dans le système qu'il a aéré bien, il peut chauffer du fil, il peut chauffer un découragement qui est là. Et si ça, il est flammable, il est capable d'enflammer, il est capable de créer un danger de feu. Okay, c'est la première affaire. Deuxième affaire, si nous pas fait l'installation là bien, correctement, avec ben, du fil approprié, le correct sizing, l'isolation pas fait bien correctement, il n'y a pas fait un spark, ben, quand il peut rouler, quand il y a un petit problème, et que ceux qui font un spark, s'il y a un objet, un décoration qui est flammable, définitivement, ça capable de prendre feu, et c'est ça qui cause un problème, si il n'y a pas un électricien qui part, comme si, qu'on fait travail là, comme on disait. Et l'ingénieur du CEB explique aussi le danger des structures à proximité des câbles à moyenne et haute tension. Écoutez. Je dirais pour ça un danger, pas seulement pour une structure métal, mais une bambou, n'importe qui du bois qui est là, parce qu'il connaît peut cause moyenne tension, il peut cause un voltage de 22 000 volts. 22 000 volts, ça qu'on a à la maison, c'est 230 volts. Ça vient 100 fois plus fort. Qui voltage qui nous gagne à la maison. À ce voltage-là, même les affaires qui nous pensent qu'ils sont isolants, moi je dis bois, ils sont capables de conduire l'électricité, avec un courant capable à travers ça. Et si métal, définitivement, il peut conduire plus bien encore, il y a un plus grand danger. Et ban canvol, ça n'est pas qui élément qui peut coûter prêt avec la ligne là, il n'est pas nécessaire qu'il touche avec la ligne là. Même quand il est prêt, il est capable de faire un spark over, après un flash over, il est capable de faire livrer un conducteur, il est capable de faire un courant là, capable de pleurer depuis un conducteur là, il passe à travers le bâton là et il y a la terre. Si vous pouvez trapper ça, le bâton là dans la main, un courant passe à travers l'écho, passe dans la main, passe dans l'écho, passe dans les pieds, il y a la terre. Un rapport préliminaire du CEB confirme que les lignes à moyenne tension à Arsenal respectaient toutes les normes. Une équipe d'ingénieurs était sur place pour évaluer la situation et a procédé au prélèvement des données. Les explications de Thierry Ramasormi, responsable des communications du CEB, au micro de Shehzad Jadou. Le Area Manager et l'équipe d'ingénieurs de la région Nord compilent donc un rapport préliminaire sur sa drame qui entraîne la mort si jeune d'Arsenal là. Donc le CEB en présence de ce rapport et Clivin confirmait que la ligne de moyenne tension de 22 kV lit dans les normes en termes de hauteur au sol, donc les bombes précisou qui les dépassent les 6,40 m d'après nous Electricity Act qui exige et qui lit dans sa hauteur là. Ça la loi là, le Electricity Act dit aussi qu'il ben 10 moun pas gagne droit, manipule ou soit tous ben 10 fils ou ben les autres facilités électriques du CEB. Cela man il y a jusqu'à 100 000 roupies et il a aussi ben peine d'emprisonnement. Tout à fait autre chose à présent. Yogida Sorminaden a expliqué dans sa déposition à la police comment il a remis le salaire de Constituency Clerk de Simla Kisnan à son défunt époux Subramanian Kisnan. Cet aspect a été une nouvelle fois débattu en cour intermédiaire ce matin devant la magistrate Anusha Rawa. C'était lors du procès dans l'affaire Constituency Clerk, intenté à l'ancien ministre du Commerce. 100 témoins ont été entendus en cour ce matin. Il s'agit des enquêteurs, des représentants de la MRA, de la Sécurité sociale et de la Mauritius Telecom. Les détails avec Shehzad Jadou.
Les deux premiers témoins entendus ce matin sont les inspecteurs Amkelawon et Sibarot qui avaient mené l'enquête sur cette affaire. Un aspect décortiqué, c'est le relais téléphonique du téléphone portable de l'ex-ministre. Yogida Surminadan avait expliqué dans sa déposition que le 31 janvier 2020, il avait rencontré Feu Subramanian Kisnan dans la région de Moka pour lui remettre la somme de 50 000 roupies. Cette somme représentait une avance sur le salaire de Simla Kisnan comme constituency clerk. Le relais de la région de Bagatelle confirme la présence de Yogida Surminadan dans cette région ce jour-là. Un représentant de la sécurité sociale a expliqué les procédures sur le paiement du NPF et NSF par un employeur pour son employé et que Yogida Surminadan a bel et bien payé ses deux contributions. Une représentante de la MRA a elle expliqué les procédures pour l'application du Self-Employed Assistance Scheme, tandis qu'une représentante du Mauritius Telecom a fourni les relevés téléphoniques de Yogida Surminadan entre décembre 2019 à juillet 2020. Concernant ses appels avec le couple Kisnan. Les travaux dans le cadre de l'enquête judiciaire initiée pour faire la lumière sur le décès de Pravin Kanakia se sont poursuivis au tribunal de Souillac ce lundi. Le constable Sidani, affecté au poste de police de Bel Air Rivière-Sèche, a déclaré avoir visionné des enregistrements de 5 caméras CCTV le 14 décembre 2020. Il était alors affecté au poste de police de Souillac, qui avait ouvert une enquête sur le décès de Pravin Kanakia. Le constable Sidani dit avoir visionné des enregistrements de 8h le 10 décembre 2020 aux 10h le 11 décembre 2020. Les caméras étaient situées à des points stratégiques, notamment à l'aire de stationnement à La Roche qui pleure, à Grigri, à la gare d'autobus de Souillac. Entre autres, le constable Sidani dit avoir été en possession de la photo de la victime qu'il avait téléchargée du compte Facebook de ce dernier pour pouvoir l'identifier sur les enregistrements. L'interrogatoire du constable se poursuivra le 20 mars 2024. Une alerte de forte pluie a été émise pour Maurice à 16h30 ce lundi. Il restera valable jusqu'à demain mardi à 6h. Avec l'influence des nuages actifs venant du nord-est, les prévisions pour les prochaines 24 heures indiquent un ciel nuageux pendant la nuit et demain matin avec des averses dispersées, parfois modérées à localement fortes, accompagnées d'orages. Donc de quoi sera fait demain. Dans l'après-midi, des développements nuageux sont prévus à l'ouest, au sud-ouest et sur le plateau central avec des averses localisées, parfois modérées à localement fortes, accompagnées d'orages. Le ciel sera mi-couvert ailleurs avec quelques averses. Et les négociations entre Maurice et le Royaume-Uni autour de la rétrocession des Chagos suscitent à la fois des attentes et des divergences. Alors que Maurice exprime sa confiance quant à une issue favorable, le gouvernement britannique reste, lui, plus réservé, affirmant que les discussions doivent se poursuivre dans l'intérêt national de la population. Patrick Hilbert, Didier Rose. Dans son rapport au Foreign Affairs Committee's Subcommittee on the Overseas Territories la semaine dernière, la Grande-Bretagne reconnaît avoir tenu 9 rounds de négociations à ce jour avec la partie mauricienne. Précisant que ces négociations se déroulent à huis clos, le gouvernement britannique affirme ne pas pouvoir spéculer sur les résultats possibles ni anticiper leurs conclusions. Il souligne que tout accord doit protéger les intérêts nationaux britanniques et qu'il n'acceptera rien qui ne satisfasse pas cet objectif. L'avenir de la base aéronavale des États-Unis, qui se trouve sur Diego Garcia, est au cœur des négociations. Selon le gouvernement britannique, cette base est d'une importance stratégique primordiale pour la sécurité régionale et mondiale. La priorité du gouvernement britannique est donc le fonctionnement à long terme de la base au cœur des négociations en cours avec Maurice. Raison pour laquelle, dit-il, il se fait un point d'honneur de s'assurer que tout accord répond aux intérêts nationaux britanniques. À ce titre, le gouvernement mauricien, tout comme l'opposition parlementaire mauricienne, a toujours indiqué que l'existence de cette base n'est pas remise en cause. Par contre, tout bail ou accord par rapport à Diego Garcia devrait être assorti d'un loyer payé au gouvernement mauricien. Il est aussi indiqué que le Royaume-Uni n'acceptera un accord que s'il protège ses intérêts nationaux et ceux de ses partenaires. Pour ce qui est des Chagossiens, le gouvernement britannique affirme qu'il reste engagé à les soutenir où qu'ils vivent. Au chapitre international, la République de Corée et les États-Unis ont donné lundi
un coup d'envoi d'un exercice militaire conjoint, malgré les inquiétudes des pays voisins. L'exercice annuel du printemps, Freedom Shield, bouclier de la liberté, se poursuivra pendant 11 jours jusqu'en mars, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense. Divers exercices d'entraînement combinés seront organisés en mer, sur terre et dans les airs afin de renforcer l'interopérabilité et améliorer les capacités d'opération combinées. Selon l'agence de presse Yonhap, les moyens stratégiques de l'armée américaine tels que les bombardiers stratégiques et les porte-avions à propulsion nucléaire seront probablement déployés autour de la péninsule coréenne au cours de cet exercice. Séoul et Washington ont insisté sur la nature défensive de cet exercice conjoint, mais la République populaire démocratique de Corée l'a dénoncé comme une répétition générale en vue d'une invasion du Nord. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré ce lundi qu'il serait heureux de relancer les recherches pour le vol MH370 en cas de preuves convaincantes. Près de 10 ans après la disparition de l'appareil dans l'océan Indien, répondant à une question sur les recherches de l'avion disparu le 8 mars 2014 avec 239 passagers à bord, il a déclaré que s'il y a des preuves convaincantes, qu'il faut les relancer, nous serons sans aucun doute heureux de le faire. C'est un dossier qui affecte la vie des gens et tout ce qui doit être fait, doit être fait, a encore déclaré M. Ibrahim, qui est en visite à Melbourne en Australie. Le vol 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777, a disparu des écrans radars le 8 mars 2014, alors qu'il reliait Kuala Lumpur à Pékin. Cette disparition est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation civile moderne. Sur ce, nous arrivons à la fin de ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée.